nickel dans le truc. Ouais, j'ai pas mon backpack sur moi. Le backpack, il est là. J'y mets le nickel. Bon, ça se met un petit peu en bordel, hein, mais c'est pas grave. Hein, l'important, c'est qu'on s'y retrouve quand même un minimum. Alors, je dis qu'on allait réfléchir à en faire un troisième. Alors, ça demande quand même pas mal de ressources, en vrai. Hein, oh, mais ça fond. Mes solariums, va falloir que je refasse. C'est un enfer à créer. Attendez, que je me rappelle. Ça peut se faire ça peut être de l'alloy, hein, c'est ça? Non? Non, ça veut pas être. C'est pas un alloy. Comment ça se fait déjà? Soul Sand et Gold, c'est ça. Si, ça va. C'est pas encore trop compliqué. Faut juste aller chercher la Soul Sand dans le Nether et après, c'est un peu de Gold, quoi. Je sais pas pourquoi tout ce qui touche à Under IO, pour moi, ça me paraît. Limite, ça me paraît plus difficile que ça ne l'est réellement. Le silicium, me dites pas que j'ai déjà plus de silicium. Du silicium. Non, va falloir que je refasse cuire du Nether Quartz. Bon, je crois qu'il va falloir que je passe par là. Ben non, j'ai tout mon silicium qui est passé. J'ai tout mon silicium qui y est passé. Ben, il sort d'où? Je l'avais sur moi? Bon, ben. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque. Ça. Ça. Il manque quoi? Il manque le. Lingot, là. Lingot chelou. Ben, dites pas que j'en ai plus. Non, si, il m'en restait. Ah, parce que j'ai tout transformé en. Mais non, mais c'est pas du pulsating iron. Oh, c'est pas vrai, hein. Ce truc-là, c'est quoi? C'est du vibrant. Le vibrant alloy. Non, j'ai tout consommé, là. Ok. Ensuite, ici, il me faut une souluviale. Il y aura de l'XP et. Je sais jamais ce qu'il faut que je mette là. Le truc. Le cristal, c'est ça. Faut que je me fasse un cristal. Ok, il va me manquer ça. Donc pour ça, il me faut deux. Comme ça. Et un comme ça. Voilà. Ok. Et donc, il me manque plus que le cristal au milieu. Il me faut la souluviale. Et pour ça, il faut que je repasse en easy. Donc, il va me falloir ça. Et il va me falloir une souluviale. Alors, un Enderman, s'il veut bien spawner quelque part. Super. Voilà. Hop. Va falloir que j'aille me chercher un petit peu d'XP parce que vu que j'ai changé de monde. Et donc là, normalement, j'ai tout. Juste oublié de récupérer mon composant ici. Ok. Hop, donc ça, c'est bon. Alors, on va tester de le poser directement sur le truc là. Je vais me chercher quelques. Alors, il me faut. Tiens, j'ai un ardonnette là. Je vais l'utiliser. Il me faut. Une dizaine. Je vais prendre une dizaine, mais. J'ai pas besoin d'autant. Ouais, c'est des ardennettes, on est d'accord. Oui, à chaque fois j'oublie. Il me faut un basique machin en plus. Ok. Et donc là, on va le définir pour que les items. On va appeler ça. On va appeler ça fonderie. Avec un F majuscule, ce sera plus beau. Et donc ça reçoit. Ça reçoit de là. Ok. Ok, maintenant, on va essayer. Alors, on va prendre des items duct. Donc ça, je vais les ranger. Je vais prendre quelques items duct. Je vais prendre un signalum. Et on est parti. Évidemment. Ni là, ni là. Ça, je vais le casser, je vais le replacer. Ah d'accord, ok. En vrai, hop. Ah, mais je n'ai pas mon aimant sur moi. Ok, et donc en signalum, hop. Alors il faut que ce soit une whitelist. Et là on va prendre quelques minerais. Donc on va prendre évidemment du silver, du copper, de l'alu, tin, iron, lead. On va juste les placer tout de suite. Ça. Ouais, mais il est saturé. Il est saturé, donc évidemment. J'en peux plus. Je galère. Je galère à stocker des trucs là. Ah là 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 là. Hop. Bon. On va y arriver. Donc, dans le signalum, déjà, on va mettre l'iron. Le copper. Alors, je vais essayer de mettre dans l'ordre. Je crois que c'est le lead que j'ai mis après.
Ensuite le tin, le silver, l'aluminium. Est-ce que j'ai tout? Déjà, on va envoyer ça. Hop, le gold. Alors, j'ai quand même envoyé le nickel, même si ça va pas être, être fondu, résultat, mais au moins ça l'évacue du truc. Et en vrai, je devrais même faire la même chose pour. En gros, tout ce qui est. Hop, voilà. Comme ça, tout ça c'est envoyé, c'est le principal. Et c'est envoyé. C'est le principal et encore, quoi. C'est que il y a pareil, il y a tout ce qui est cristaux qui est pas. Parce que là on est d'accord. D'accord. Ah, ok. Allez, donc c'est évidemment, ça bloque. Mais de l'autre côté, il faut pouvoir recevoir. Ok, d'accord. Alors, de l'autre côté, si je mets directement sur le réceptacle, ça ne marche pas. Il faut extraire aussi avec des items duct. Donc, on est parti. Non, je sais. C'était base. Hop, on est parti. Hop, donc ici, il me faut aussi item duct. Et est-ce que j'ai pris le signalum? Non. Il me faut un signalum. De l'autre côté. On teste, hein, faut bien tester les choses. Donc, hop. J'avais dit aussi que ça, je mettrais. Bon. Hop. Résultat. On va peut-être le mettre juste au-dessus, résultat. Tac. On va mettre l'item duct comme ceci. Tac. Et donc ça. Ouais, et donc lui. Peut-être que je le reconfigure, mais si, il reçoit de la fonderie. Donc le nickel, évidemment. J'ai pas configuré de l'autre côté. J'ai un boulet. Lui, il sait pas où envoyer. Fonderie, tu envoies. Non, tu veux pas. Fonderie, tu envoies. Énergie, tu reçois. Alors, oui, il y avait lui là. Hop, lui. Je voulais le remplacer par un Ardened. Derrière, est-ce qu'il. Oui, derrière, il reçoit de l'énergie aussi. J'arrive à compenser. J'arrive à compenser, dis donc. Donc là, il tourne à plein régime. Par contre, lui, il envoie rien, lui. On est bien d'accord, ça, c'est les items. C'est pas ça, les items. Ça, c'est clairement fluide. Oui, ça ressemble à un fluide quand même. Bon, fonderie, fonderie, on est d'accord. Voilà. Voilà, always active. Je suis pas trompé. Donc, il envoie, mais pas de souci. Est-ce qu'au niveau de la configuration. Ah, il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça. Ah, mais ça, c'est évident. Alors là, je vous avouerai, je suis un peu dépité. Essayez, mais ça me. Ça me semblerait bizarre quand même. Ouais, alors. Bon, c'est pas grave. Donc, en réception. Mais ça me semble quand même extrêmement bizarre. Builder. Putain, c'est ça. Oh, encore un appel. Bon, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, en fait, le bon truc, c'est ça. Donc, ça, à la limite, on va supprimer. Bon, là, au moins, ça fonctionne. Le truc, c'est que ça va saturer très vite. Mais bon. Bon, qu'est-ce que je peux évacuer qui embête? Après, il y a des trucs, faudrait juste que je jette, en fait. Après, je peux toujours récupérer, c'est les flints. Ça. Toujours récupérer. J'ai des abeilles, il n'y a plus savoir quoi en faire. Ça, hop. Ouais, je suis déjà plein. Je suis déjà plein. Bon. Ben voilà. Après, c'est la gestion de ressources classique. Ça galère quelque part. Je sais pas où, mais c'est en train de galérer quelque part. Ah ouais, c'est ça. Ça a été absorbé, ça aurait pas dû. Un coup de Crescent Hammer de temps en temps, ça. Et ce sera résolu. Bon, il y aura ça éventuellement à upgrade. Mais en vrai, je suis plutôt satisfait de comment se présente la chose. Et enfin, on a trouvé un équivalent de Tesseract. Et ça va me faciliter la vie. Bon, normalement, là, ça, j'ai plus besoin de l'énergie, hein, mais j'ai mis l'énergie, c'était parce que, voilà, mais hop, en vrai.
Ouh là là, j'ai fait faire une connerie. Mais voilà. Après, en vrai, je devrais blacklister. Ouais. Je vais blacklister qu'est-ce qui ne doit pas être envoyé. Bon, pour moi, je vais laisser dedans. Il y a l'iron là. Et pareil, ici, je devrais commencer à remplacer par du signalum ici. Ça fait un bout de temps que ça devrait l'être et puis que ça ne l'est pas. Ah oui, mais faut que je refasse les filtres aussi. Ouais. Ouais, minimal signalum, quoi. Un minima, un signalum. Un minima ici, là, parce que, hop. Ici, remplacé par un signalum, quoi. Hop. Après, je vais peut-être couper, simplement. Et puis attendre. Là, voilà, là, j'ai du nickel. Je vais attendre que j'ai quelques minerais qui arrivent. Comme ça après je pourrais refaire un petit peu de tri. Mais voilà, au moins j'aurais plus. Je limite en fait j'automatise mes allers-retours. Mes allers-retours là qui prennent du temps. Ici. Et j'ai pas vu l'air et il va falloir que j'y aille. Alors. C'est un crate. Ah, j'ai plus de small. J'ai plus de wood machin. Donc ça ici c'est bon. Ah, ça ici c'est bon, il est en permanence chargé. Donc ouais, donc ici il est full parce qu'il sait plus. Il sait plus où donner de la tête, le pauvre. Allez, nouveau create. On va essayer de vider tout ce qui est. Tout ce qui encombre. C'est pas un peu de sandstone. Ah, j'ai pas vu, c'était du sable, ça. Bon, allez, hop. Limestone. Ça, je sais pas ce que c'est. De la sandstone aussi. Ok, et après c'est tout ce qui est abeille, tout ce qui est. Hop. Hop. Les viales. Enfin les vis là, les. Hop. Tout ce qui est abeille. Tout ça s'encombre de ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tout ce qui est fleurs là. Hop, j'ai envoyé aussi. Bon, commence à en voir le bout. Ça, je m'en tape. Ceci. Ceci. Ah, de la prismarine, ouais, bon. Ben, on va y arriver, hein, à force. Du draconium. En vrai, il me faudrait un deuxième filtre. Pourtant, j'ai mis un filtre. Et pourtant, j'ai mis un filtre en signalum déjà. C'est. Ça fait pas mal d'items déjà quand même. Qui sont triés. Alors, en send. Ouais, de toute façon, tout ça va partir. Il y a juste ça. Voilà, il y a ça. On va, hop, ici. Le fertiliseur. Ah, fallait que je ramène de la terre aussi. C'est ça qu'il fallait que je ramène. Je vais en ramener. Et on va commencer à transformer tout ça. Donc ici, c'est l'iron. Donc on va prendre de l'iron. Hop. Voilà, donc c'est en whitelist et en active. Alors ensuite, là-bas, je crois que c'est le copper. C'est ça. Donc on va remplacer.
Le copper, le tin, le silver, le gold, le lead. Il manque l'aluminium. Il va me manquer l'aluminium. Bon. Ici, c'est le lead. Mince. Hop. Donc, Hitstone en whitelist. On est mis. Ici, ce sera bon. Ici. C'est le silver. Je l'ai. Whitelist, silver. Ici, c'est le tin, je l'ai. Hop, tin, whitelist, on active. Le gold. Whitelist, c'est le gold. Et le dernier, c'est l'aluminium que je n'ai pas encore. Ennuyeux. Ah, le voilà. Le voilà. Tac. Aluminium. Et je vais pouvoir activer. Alors, pas tout à fait. Donc je blacklist ça, je blacklist ça, ça et ça. Donc je blacklist la redstone, hop, hop. Let's go. C'est parti. La production. Oui, c'est en train de chauffer, c'est en train de chauffer. C'est envoyé, c'est juste en train de chauffer en fait. Mais c'est bizarre, c'est en train de chauffer, mais c'est pas apparu. Ouais, voilà. Ok, le lead est apparu. C'est bizarre parce que le copper, voilà, il y en a, c'est juste que c'est pas. Allez, hop. De toute façon, ça se vide, ça va se faire. Hop. Et bien voilà. Bon. Étape suivante. Là, on a déjà automatisé pas mal de choses. Là, on a une production d'énergie, on a des ressources qui arrivent. Après, voilà, ce sera. Faudrait optimiser encore un peu les drawers et c'est virer toute cette partie-là. Là. Je devrais la virer. Virer ça aussi. Et mettre en fait des slaves derrière, hein, les drawers. Pour après gérer des prods. Gérer tout ce qui doit être cuit, gérer tous ces trucs-là. Pourquoi j'ai encore des cerveaux là? Parce qu'ici c'est pas activé, tout simplement. Excusez-moi, j'ai fait une connerie. Je sais pas ce que c'est en train de vider. Bon, le lead, ça c'est cool. Ok. Ouais. Super. Super, super. Ici. J'essaie de le stone. Qu'est-ce qui me manque? Le stone, redstone. Il manquerait un peu d'or là-dedans. Ouais, bon. 7 blocs de énergétique machin là. Bon. Ça, je vais supprimer et le replacer. C'est parti. Bon bah écoutez, je pense que j'ai. Ah attendez, j'ai un souci avec le copper, je pense. Le copper, il est là. En effet, j'ai pas mis le filtre à copper. C'est pour ça qu'il ne partait pas. Ouais, bah c'est parti. Il devrait être. Ouais, c'est bon, il est mis, il est mis, il est mis.
Eh bon, c'est bon, il y est. Bien. Bien, bien, bien. On va mettre une petite émeraude. Hop. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'en suis où? Et évidemment, tout est plein ici. Que je rajoute quelques drums. On va faire quelques drums. On va en faire deux. Super. Il m'en faut quatre. Tac. Hop, hop. Et hop. Voilà. Bien, bien, bien. Allez, on va s'occuper de ça. Alors avant, je récupère mon magnète parce que en dessous j'ai du vide. J'avais oublié ça. J'avais oublié que j'avais des ressources là-dedans. Du coup, elles vont partir. On partir avec. Eh ben, j'ai eu de la chance. J'ai pas vu qu'il était tombé là, lui. Hop. Alors, ça ne me plaît pas. En plus, encore des leadstone. Donc, on va les upgrade. On va les upgrade. On va les faire passer plus en bas. Ok. Alors pour le moment, on peut partir sur ce principe. C'est pas gênant. Donc la question est, est-ce que c'est est-ce que tout est nécessaire ici? Ouais, malheureusement, oui. Allez, hop. Puis on peut remplacer ben, ce petit bout de câble là. Voilà, comme prévu. Alors, de toute façon, le seul craft qu'il va falloir refaire, ça va être celui-là. C'est pour faire le Fertilized. Après, tout le reste, maintenant, c'est géré par les Compacted. Les Compacted. Donc, il n'y aura que le craft du... Là, c'est du... Voilà, à faire. Et donc, eh ben, on va tout défaire ici. On va tout défaire ici, même le slave, on va le déplacer. Zut. Bon, de toute façon, va falloir que je m'arrête là. Je viens de voir l'heure. Va falloir que je me prépare à partir. Donc il va. Hop, donc je vais juste casser.
Oh, ça va vite agacer en plus. On va se mettre comme ça. Super. Bon voilà, on va réaménager tout ça de toute façon. C'est ce qui est prévu. Puis après, bah, on verra un petit peu comment ça se présente, mais... Mais ouais. On va faire un truc un peu plus beau. Avec des slaves qui vont partir plus de façon perpendiculaire. Et éventuellement, si je vais le slave là, je vais peut-être le mettre à la place des os ici, et puis voir si je peux prolonger le mur de drawer. Ça peut se faire quoi. Bien, bah sur ce, bah, je vous dis à plus tard. Bien, 24 heures se sont écoulées depuis la dernière coupure. Bon, j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout fait du management de ressources ici. Donc j'ai ramené des compacting drawers. Pour compacter tout le sable que j'avais, le gravier et la cobble jusqu'au quintuple. Donc voilà, donc ça, voilà. Le drawer ici se vide légèrement, petit à petit. Ici, j'ai upgradé en Reinforced Energy Cell. J'ai passé tous les câbles en Ardennet Free Duct. Et c'est là que ça a merdé un petit peu, on en parlera. Mais résultat, mon builder, ben, il s'est mis à consommer à fond de blinde. Donc là, il consomme à fond. Hein. Il y va à fond. Voilà, il est à plein régime. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai filtré énormément de choses qui partent donc dans les drawers, la sandstone, tout ça. Enfin, si c'est des drawers. Oui, non, c'est des create. Excusez-moi, des create. Voilà. Bon, pour le moment, j'ai laissé les générateurs ici, mais en soi, tout vient quasiment du Dimensional Transceiver, hein, niveau énergie. C'est essentiellement lui qui fournit. Donc, résultat, vu que ça a pompé à fond, j'ai eu des soucis à la base. Vu que ça a vidé mon énergie cell. Donc résultat, j'ai fait une deuxième unité d'Under Generator. Et vu que ici le débit n'était pas assez élevé, j'ai refait une sortie ici. Mais voilà, j'ai refait tourner un petit peu aussi en easy. Donc c'est encore augmenté. Voilà, j'ai largement de quoi alimenter le builder et l'intégralité de ma base sans problème. Ici, j'ai un petit peu remanié, donc j'ai mis deux slaves. Voilà, j'ai tout upgradé au niveau des drawers, tout est upgradé. Il y aura il y aura trois autres compacting drawers à terme. Bah, c'est ceux pour la cobble, la stone, la cobble, pardon, le gravier et le sable. D'ailleurs, en soi, le sable ici, je devrais le mettre dans un compacted, ouais, c'est ça. J'ai remis ici le mechanical crafter, voilà, avec pour me faire de l'engrais. Voilà, j'alimente en sable manuellement parce que sinon ça sature en sable et pas en apatite. Sinon, voilà. Voilà en gros ce qui s'est passé, oui, puis là-bas un petit peu de gestion aussi. Résultat, maintenant, plutôt que de moi-même, bon, il y a toujours le nickel que je viens chercher moi-même, mais tout ce qui est redstone, coal, diamond et lapis, ça part directement dans mes drawers. Donc ici, tout fonctionne, tout est à plein régime quasiment, surtout le fer. Le fer, voilà, j'ai un apport quasiment permanent. Ah zut,
J'ai laissé se vider ici, bon c'est pas grave. Voilà le pareil, hein, le copper pareil. J'ai quoi? Attendez, j'ai. Ah ouais, 18 blocs en attente. Ouais, d'accord, ok. Je. Bon, le lead, voilà, pareil. Ah, tiens, bah, y en a qui vient d'arriver. Donc voilà. Donc voilà. Donc ici, ça tourne à plein régime. Résultat, bah, c'est normal, hein, vu que le builder tourne lui-même à plein régime. Et bah, à chaque fois qu'il y a y a des minerais qui sont ramenés, et ben ça part directement dans la fonderie. Donc là, au niveau ressources, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien. Voilà, si on fait le tour. Voilà, l'iron, 200, 202 stacks de blocs. Le gold, 4, 8. Pour le, voilà. Bon. Voilà, honnêtement, j'ai ce qu'il faut. Les diamants, voilà, 47 blocs. Bon, c'est pas encore énorme, mais c'est déjà pas mal. Les blocs d'aluminium, la redstone, on n'en parle même pas, 37 blocs. 37, non, 37 stacks de 64 blocs, pardon. C'est, voilà, le lapis, 7 stacks. Et le colle, c'est débile, hein, 44 stacks de blocs. Donc voilà, c'est, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Ici, pas grand-chose à changer, même rien n'a changé en fait. Voilà. Après, ici, j'ai parlé de niveau, mais. Ouais, bon, voilà. C'est absurde. On est toujours dans le domaine de l'absurde. Sur la génération d'XP. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un générateur qui. Qui. Comment? Qui peut consommer des désenchantements. Enfin, des désenchantements. Pour générer de l'énergie, mais ça veut dire consommer du bouquin. Et finalement, c'est pas si intéressant que ça. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, il nous reste beaucoup de choses à faire, hein, vous en faites pas. Là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Premièrement, je voudrais le une crafting table. On en a parlé le dernier coup. Pour notamment décrafter les leadstone fluducts. Qui sont maintenant obsolètes vu mon niveau de production d'énergie et que j'aimerais décrafter pour pouvoir en récupérer le lead, surtout le lead en fait. Après, je sais plus ce que ça consommait, c'était du silver, je crois que ça consommait en plus. Enfin voilà, ouais, c'est ça, hein. Je sais même plus. C'est du lead et quelque chose d'autre. Stone, non, hop, ouais, bon, de la redstone, du verre. Et ouais, c'est 2 de lead par. Ouais, pour 6. À voir si on peut. Si on peut récupérer au moins le lead. Et. Bon, alors, ça, on s'en fout, mais surtout le lead. Et après, refaire. Voilà quoi. Refaire en Ardened. Voilà. Donc, ça, ce serait l'objectif. Et pour cela, il faut aller dans la Twilight Forest. Donc, l'objectif, ce serait d'aller dans la Twilight Forest. Je regarde un petit peu. Je manque un petit peu de. Ok. Il y aurait ça. Ou deuxième option, c'est. Bon, alors, les drawers, je vais les laisser comme ça parce que c'est quand même pratique. Mais j'ai appris assez récemment qu'il y avait le Raffin. Voilà, un mode qui s'appelle Raffinate Storage et qui est en fait l'équivalent de l'ancienne Appleyade énergistique. C'est quasiment la même chose. On retrouve les storage disques qu'on peut monter jusqu'à combien? On peut monter jusqu'à 64K. Ouais, voilà. Et les crafts ressemblent quand même énormément à ce que faisait Applied Energy Stick autrefois. Donc je suis tenté en fait de faire un système Applied. Enfin, Raffinate. Maintenant, ça s'appelle Raffinate Storage, mais on va pas se mentir. En fait, c'est Applied 1, tout simplement, parce que maintenant, je crois qu'on a Applied 2, hein, mais Applied. Voilà. On a Applied Energy Stick 2, mais c'est un enfer. Ça s'est tellement complexifié. C'est juste un enfer, en fait. Et encore, là, je trouve que les disques à faire, c'est pas encore trop compliqué, mais. Mais pour faire le contrôleur, pour faire tous ces trucs-là, c'est assez compliqué.
Voilà, parce qu'il faut les flux cristal et tout, c'est surtout tous ces trucs-là, les flux perles et tout, qui sont. Enfin, c'est surtout les flux cristal en fait qui sont à faire, puis les flux dust. C'est. Même quand on regarde un petit peu, j'ai l'impression que ça tourne en rond, faut en trouver en fait. Parce que si. Ouais, en fait c'est utiliser essentiellement les quartz comme ça. Mais je trouve que c'est assez compliqué, puis c'est très très consommateur en quartz. Donc je pense plutôt qu'on va s'orienter vers Raffined, qui est plus simple, et qui ressemble beaucoup à Pléiade Energistique 1. Voilà. Alors, pour la Twilight Forest, je pense qu'on ne peut pas faire le portail dans l'End. Ça me semble logique. Donc, on va aller le faire dans l'Overworld. Donc, on va aller juste aller chercher. Donc, alors, je vais vraiment le faire de mémoire, hein, parce que ça fait très très longtemps, quand même. Mais de mémoire, il me faut. Alors, il me faut. Des poppies et des dandelions. Et je dois avoir encore quelques dandelions là-dedans. C'est ça. On va prendre encore quelques poppies. Il me semble que j'en avais. Voilà. Ah, autre chose. comment vous dire? La zone que je suis en train de miner. On va dire que je m'attendais pas à ça. sans déconner, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi large. Ça, ce sont les chunks déjà que j'ai vidés en tout ou partie avec le builder. C'est débile. C'est débile. Je vais faire un énorme trou dans la carte en fait. Parce que ça c'était le premier build. Enfin, le premier creusage que j'avais fait en gros. Et ça, c'est le deuxième. J'étais pas prêt quand j'ai vu ça. Donc voilà, bref. Parce qu'au départ, moi, j'ai vu un petit peu d'herbe ici. Je me suis dit, bon, bah, c'est un carré qui fait ça. Non, non, c'est beaucoup plus loin. C'est un petit peu. Voilà. Bref. Est-ce que j'ai. Non, bien sûr, j'ai pas la wand. Voilà. Ah oui, je me suis fait aussi deux autres dimensionnels. Bon, je veux dire Tesseract, hein, parce que. Voilà, c'est ce que c'est. Hein. Mais attendez. La jungle. Attendez. Oui, le spawn est là-bas. Comment? Je me suis fait deux autres Tesseracts qui pour le moment sont pas utilisés. Ils sont dans mon coffre à la base. Voilà, je me suis embêté à en refaire deux. On verra. On verra si on s'en sert. Quoi qu'il en soit, voilà, je les ai. Alors, il me faut un petit peu de dirt. De mémoire. Bah, en fait, on va simplement creuser comme ça ici. C'est vraiment de mémoire hein, que je fais. Est-ce qu'il me reste encore de quoi faire un saut ici? Oh bah. Nickel. Nickel, nickel. Alors, il me faut. Hop. De mémoire, hein. De mémoire, c'est de l'eau. Et ensuite, c'est des poppies. Enfin, faut alterner poppies et dandelions, il me semble. Plutôt comme ça. Ça.
Ok. Et il me semble qu'il faut jeter une popie dedans, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il n'y avait pas un diamant à balancer dedans, un truc comme ça. Twilight. Arrobas Twilight. Twilight Forest. Twilight Forest. Ah. Ouais, y a des portails miniatures, mais visiblement on peut pas. Est-ce que j'ai un bouquin? Je n'en vois pas. Maze. Parce que c'est ça qu'il me fallait, c'était un maze quelque chose. Ça ressemble à un petit bouton de chemise là. Zut. Là, c'est ça. Donc il faut que j'aille retrouver ça. Maze Map Focus. Mais voilà, c'est pas craftable. Hein. Donc il faut aller le chercher. Mais pour faire le portail. Eh ben, je pense que je vais me renseigner sur internet parce que je ne me souviens plus. Je vais me renseigner et je vous reprends tout de suite. Faut un diamant. Il faut un diamant. C'est ça qu'il manque. Et je suis sûr que j'en ai pas là. Alors faire un aller-retour à la base. Et ouais. Attendez, attendez. Peut-être, peut-être. Non, pas là-dedans. Non, allez, retour à la base juste pour un diamant. Ta 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 ta. Donc j'ai bien fait, mais il faut balancer un diamant dedans en fait. Et diamant. Attention. Et on est parti. Top! Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je devais accéder au donjon où il y a les Minotaures pour trouver l'objet que je voulais. Mais pour ça, il fallait faire les donjons précédents dans l'ordre. Et j'avais trop la flemme. J'ai donc tourné en rond dans la Twilight Forest pendant 2 heures et demie. Jusqu'à ce que je tombe sur un monticule de terre où il s'est passé ceci. C'est ça. Bon, il y avait un bouquin là-dedans. Là. Oh! Oh! C'est pas possible! Ah, c'est pas possible! Bon, bah, c'est bon, hein. Hop, allez, et bon. Hop, salut, hein. Allez, à plus. Alors, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, j'ai trouvé mieux. Il y avait carrément une crafting table dedans. Ah! Allez, retour base. Oh, enfin, nom de Dieu. C'est mieux que ce que je cherchais. Ah vraiment, j'ai vu bloc rouge, j'ai fait, oh oui. Oh la vache, oh la chance. La chance, le hasard. Bon. Eh ben on va utiliser ça. Je sais pas s'il faut de l'énergie, je sais pas s'il faut. Dans le doute, on va le connecter à un câble. On va le mettre là. Oh bordel! Pas besoin. Bon. Ah oh, bah c'est ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, comment ça fonctionne? Ah mais c'est ça, non c'est pas 9, c'est 6 qu'il me faut, enfin c'est... Faut vraiment que je les mette 6 par 6? Non, faut que je les mette 9 par 9 peut-être alors. Là déjà ça fait plus. Ok.
Ok. Alors, comment elle fonctionne? Comment elle fonctionne? Je l'ai vu tout à l'heure dans le wiki, une crafting table. Ah, d'accord. Ok, excusez-moi, j'ai compris. C'est parce que j'ai encore une fois changé de monde. Et en fait, le décrafting me demande des niveaux. Donc, voilà, à chaque fois, il y a le bug, à chaque fois que je reviens. Hein, hop. Voilà. Et là, ça va marcher. Ouais, ok, j'ai eu peur, c'est parce qu'elles sont là. Oui, donc il me faut du lead, il me faut. C'est bon. Est-ce qu'il faut que je refasse quand même le craft une fois? Est-ce qu'il faut que je sélectionne ce que je veux? Est-ce qu'il faut que je prenne. Parce que ce que je veux essentiellement, c'est le lead. Hein. Ouais, va falloir que je refasse le craft. Ok. Donc, c'est parti. Lead, redstone, vert, c'est tout. Alors, le lead. Ça, et... Ah. Alors, attendez. The most experience one need to spend in crafting is 9 level experience. Ok. C'est ça, ma faute. D'accord. Donc, les sticks, par exemple, ça ne demande pas de trucs. Je comprends pas. C'est bon, là, je. Et ben, c'est bon, valide. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends pas, là. Je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas. On va essayer avec autre chose. On va essayer avec un autre item un peu bateau. Par exemple. Allez, hop. Ok. Alors on va mettre qu'un. Et voilà. Je veux décrafter ça. Hop, ouais, les mushrooms, hop. Ok. Comment je valide en fait? Je comprends pas. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas. En plus, ça a l'air d'être très simple selon le wiki. C'est bizarre. Le craft, il apparaît bien. Donc, il est censé 9 niveaux. Ben, prends-les. Enfin, qu'est-ce que. J'ai pas de bouton de validation. J'ai rien. Oui, là, ok. Là, je peux changer. Là, je peux changer le craft pour savoir quel tin je veux. Parce qu'il y a plusieurs tins dans le jeu. Est-ce qu'il faut que j'en mette que 3? Il faut que je mette un multiple de 9 parce que ça. Parce que le craft, il m'en donne 3 normalement. Hein. Quand on fait ce craft-là de Lidstone, ça donne 3. Ça donne 3 Lidstone Pipe. Je comprends pas. Là, je vous avoue, je. Bon, on l'a ramené. J'essaierai de trouver comment ça fonctionne. Et si j'ai besoin d'autre chose à la toilette pour le reste, au moins. Ouais, pourquoi je l'ai mis là? Hop, on va le ranger à sa place. Voilà. Bon, on l'a, il faut juste que je comprenne comment ça fonctionne. Là, pour le coup, je suis un peu coincé. Mais bon. Bien, bah écoutez, sur ce, ça a été déjà quelque chose. Et puis, on en aura fait pour aujourd'hui. Et moi, je vais me pencher sur Raffinate Storage. Voilà, donc quand on reprendra, là, pour vous, ça sera dans un instant. Pour moi, ça sera dans quelques jours. J'aurais certainement fait quelques machines de Raffinate Storage. Je vais les crafter, je vais pas encore les poser, on va découvrir ça ensemble. C'est juste que je vais m'occuper des crafts en amont. Voilà. Et sur ce, je vous dis, ben, à plus tard.